My name is Mathieu, but everyone calls me Mammy. I don't know what that has to do with anything, but I'm always late. I was on my way to Festiglace, but I started off by missing my plane. Why does this always happen to me? I had decided that I was going to stop, but my problem is organization. It's hard for me to get up on time in the morning. So there's a word that perfectly defines me. Nuisible. That's it. At the same time, it's also my strength. I can adapt to any situation, even the thorniest. Oh, t'as vu quelle heure il est là? T'as vu l'heure quoi? Hey, vas-y! Non, mais là, c'est pas ma faute. Il y avait un camion de vache écrasé sur l'autoroute là. Un camion de vache, ouais. De toute façon, c'est jamais de ta faute, mémé. Erwan is the coach, but he's pissed now. He had a long-term romantic relationship with a parachute, but the poor guy got dumped. Medical outcome, a few less teeth, a broken right ankle, and a sprained left one. It often holds him back when the pressure's on. Eh ben moi, je commence à y aller, hein, mémé. Ouais, c'est ça, ouais. I'm gonna lose my soul just to ride in a fancy car. Ready to die to be honest in every gloves and balls. Ready to fight, ready to lose it all. Till the day the crowd's out of control, I'm a rockstar. Hey, tendez-vous, quoi. On l'a déjà raté. Une demi-heure. No. Sam, his great quality is zen-like attitude, and we chose him to help us win Festiglace because he's a jack of all trades. From tiny pebbles to small boulders to medium-sized rocks, from cliffs to big walls, steep slopes, all the way to very tall mountains, Samuel Bourget is experienced, and that's what we need. My baby's just a rock and roll dreamer, wants to walk by my side. Airports are temporal places, completely artificial and surreal, where time stretches and compresses chaotically. You can lose 24 hours in 2 minutes and gain 5 days in a few seconds. But time never stops. The airlines do their job, and our wanderings finish by finding a door. We can finally chill during the long hours as we near our final destination, Quebec. The first sensation when you arrive in Montreal is a shivering feeling that electrifies you from head to toe. It's cold. Depuis lors, les démons ont pris mes formes. Entre l'état qui me sourit et ses caps en uniforme, y'a la main. The snowstorm was the first thing we met on this trek. This journey means exploration and discovery of huge, fragile frozen lines in the sun. So rich, but so temporary. But before arriving at Pont Rouge and the Festiglace, the road is curvy and full of detours. We stop in North Conway to sample the famous North American sorbet. On the menu, lemon peach melba, and head chief O'Connell invites us to a first taste. This is Dracula. The classic line goes up the left side, this corner. There's a belay up high, or you can finish it in one pitch. It's the classic intro to hard climbing in New England. It's a water ice grade 4, 4+, beautiful route, and it's really fat today. You have my sympathies. And new school style.
Québec, c'est trop bien. Québec, c'est dément. La sorbet. Il fait pas trop froid. Ça, c'est bien. Once at the summit, I set my ice screws, flip the carabiners, connect the anchors, wait, I forgot to clip in. Oui, va chier, hein? Equalize my belay, attach my reverser, and bring up sail. The joy of a climbing partnership rests in trust. Tranquille. Ça vous va ou bien? Bien. Si, guide. Merci, ouais. Ce que je disais à Guillaume, c'est vachement bien de partir en montagne avec un guide. C'est rassurant. Un guide de Chamonix en plus, hein. And it's with regret that we take leave of Chris O'Connell and continue towards other lines, taking a break on the way. In some Quebec bars, you can have surprising and strange encounters that can forever change the way you see things. And that's what happened to us that evening at the Aviatic Club. I suddenly had a strange feeling that I had to talk to this gladiator, this muscle-bound machine who would help us win Festiglace. Wir haben sich gesagt, so mehr Klimmzug, dass ich machen kann, desto besser werde ich dem. So we will see on the weekend what will happen. Probet ein Festival, tale Festiglace. À la fin, papa. 6'4", 200 pounds of pure power, full-up champion and multilingual, Simon Vandeleur quickly became our undisputed wild card. Trop naïf sera une vie neuve, peut-être trop naïf mais qu'il pleuve, des textes qui meurent. Les larmes se cachent de grandes œuvres. And now we're heading to New Hampshire and Mount Pisgah, on the lookout for a mountain of ice roots in the sun, overlooking a large, clear lake with ice fishing shanties. With Simon, we stopped on the frozen banks of Lake Willoughby. It was time to get to work. Alors 11h30, il fait moins 15, il y a 80 km/h de vent. 1023 hectopascal, toujours là, gros anticyclone, hein, tout va bien. Aujourd'hui, on a les conditions hivernales nord-américaines. Grande voie au soleil, de la glace gavade, hein, c'est super large. Là, on va taper du glaçon et on va s'acclimater un peu là par rapport au froid. Enfin, moi, je reste dans la voiture, mais c'est surtout vous, quoi. We all decided that Simon, under the experienced eyes of Erwan, would do the first pitches. On va faire le petit tube, hein? Voilà, au soleil. Au soleil. Ça, c'est bon. Once at the belay, we decided that a good steep ice pillar would be the perfect sandbag for our new team member, and we put Simon on the sharp end. Note how delicately our friend Simon climbs so as not to shatter the icy coating. The art of hooking is an advantage for those who know how to be discreet and graceful. Meanwhile, as Simon moves up the vertical ice, a mysterious man was also making holes, but in the horizontal ice. A cold day like today, Mr. Painting Contractor doesn't work. He blames.
plays. So, I've come to play out in the cold. Just trying to catch a lake trout, rainbow, salmon or something, you know? Just kind of wilding the time away, the best way I know how. When vertical eyes meets horizontal eyes. These beautiful lines struck us like a sunbeam. We bid a fond farewell to Paul Lanny and leave Willoughby Lake to head towards Sherbrooke, where we meet up with our friend Mathieu Pelloca. But it's during the night, enveloping all shapes with its black coat, when the really strange encounters occur. Non mais les gars là, t'es pas Tony Lamiche là au bord de la route? Salut Tony, mais qu'est-ce que tu fais là à côté de la route quoi? J'arrive de l'autre côté du Canada, mon pote. Mon petit voyage de ski en British Columbia. Et là, qu'est-ce que je trouve pas? Mes amis grimpeurs. Bah, mets tes affaires là. Ah, j'ai ce qu'il faut, hein. J'ai ce qu'il faut pour une pratique intensive. Ah, qui c'est qui a ouvert la fenêtre? Ah, ben c'est cool de vous voir. Sam, tout le monde, eh ben je suis content de vous voir. Ouh, le voyage là, 24 heures non-stop. Puis là, ça colle. Hein. Moi, je me suis fait transporter par un routier, là, bon, chaud, hein. Vers cette tempête de neige, j'ai eu peur. La poudrerie. Tony Lamiche, 31 years old, 5 foot 10, mountain guide, elite athlete, a wise-cracking weapon that destabilizes all his adversaries and even his teammates. Sam Boger, tu vois le casque que tu mets sur la tête qui va super bien? C'est le mien. En tir, voilà. Mon nœud. Ben, voilà. Je devrais avoir déjà mon nœud de près. Hein. Vous comptez les casques, si chacun en a un qui la reste un, tu t'es trompé de casque, c'est le mien. Paye ta marche arrière. Non, c'est mort là. Mémé, regarde où t'es là. Bordel, les broches là, les violets et tout. Il l'en fait dans le frigo. J'arrive, je vérifie. A de suite. With Tony Lamiche in our pockets, nothing could stop us in our quest for the Festiglace. Qui disait la poudrerie. C'est la poudrerie, nous ça fait depuis Montréal que c'est comme ça nous. Ah on a cru qu'on n'arriverait jamais. Quel sport. Bon mais voilà, un peu de matériel. Regarde où tu vas, ouais. Ce qui devait arriver, arriva. Oh la poudrerie. La poudrerie. But the journey is fraught with peril for those who don't know how to drive on icy roads and snow drifts and fill all the gaps. Bien joué. J'ai mordu le talus. Et je crois que les roues elles touchent plus. And after some effort and a good knowledge of the Z-drag, Lake Willoughby sees the team gear up again at its banks, because Mathieu had a little project in mind with many others to come. Ça va être un peu comme ce que vous allez faire aujourd'hui, là, de la variante directe d'un China Shop ici. Le cigare a cassé cette année, puis les Américains qui ont ouvert une variante en mix direct là, qui passe autour de M7. Du rocher un peu discutable, ça fera comme à Pont-Rouge, vous allez pouvoir vous pratiquer. Je pense que ça va être un bon entraînement, définitivement. On va s'amuser, je pense que ça va être une belle journée. Une belle journée de congé. Et on va surtout rire des Français. Allez, allez. Et merde. La glissade. Parce que si tu te la colles de quinter plus loin après, tu risques d'arriver plus fort dans le rocher, hein. Ouais, ouais. Thank you.
Allez. Allez, Sam. Allez, allez. Allez, cool. Allez. Allez. Ça a bougé. Putain, j'étais ouvert complet. Il t'a manqué rien pour passer sur un pied, ouais. Là. Parce que tu passais sur un pied, après tu ramais, quoi. Ouais. T'avais la lunule devant le nez ou quoi? Ah bah ouais, ouais. Après, tu traverses, c'est bon. On va te faire monter une paire de pioches, peut-être. Non? Ouais. Sam Bauger, third try. Tranquille, hein. Allez, ouais. Mets le pied. Yes. With Sam's project climbed, Mathieu suggested that we do two long and beautiful parallel lines not far from North Conway to refine our training for the upcoming event. Je suis pas plus malade qu'un autre. Je veux pas juste work pour le dos. Je veux partie de ceux qui sortent de l'écran. Et puis des pour se battre contre soi-même. J'enlèverai les cernes. And our road trip goes on, punctuated by trucks, gas stations, and never-ending horizons. Quel beau freinage de sécurité. Freinage de sécurité pour la fin du groupe. Cathedral Ledge, 12:30. We finally arrived. The obligatory briefing. All action requires reflection. Ok, aujourd'hui, 11 février, moins 5 degrés, 1027 hectopascal. On s'ajoute technique aujourd'hui. Voilà, deux fissures là, un peu dry tooth. Par là, c'est pas mal, un 5 sup un peu technique sur les pointes. On récupère la glace, relais, nickel. Là, la glace est fine, il faut taper doucement, hein, les gars. Bien affûter les piolets. Et on est discret, hein, ok. Ce que je vous propose, comme on a deux voies côte à côte, c'est que Mémé et Sam, vous partez à droite dans Rémission, et Tony et Simon, vous partez à gauche, là, dans Repentance. Faites gaffe au début, quand même, ça a l'air bien fin. Aujourd'hui, training day, un peu de technique, comme tu as dit avant, il faut grimper avec la tête. Aujourd'hui, c'est pas le tracteur, c'est plutôt le feeling, hein. Mémé, il a peur, hein. C'est bon, quoi. Aujourd'hui, tu vas grimper. On t'a préparé une petite longueur spécialement pour toi. Et puis c'est Mémé. Moi qui y vais, hein. Là, j'ai pas eu le choix, hein. Pas évidemment le choix. Que c'est toi qui y vas. C'est, comment on dit, une mise à l'épreuve. C'est en vachement, là. Allez, Sam. Allez, Sam. Allez. Ouais. Allez.
Ça va aller au-dessus. Et Samuel perdu dans son océan de glace. C'est plus où taper tellement il y en a. Et il se la régale. Regardez comme il a l'air heureux. C'est presque comme à Chamonix. Tu vas moins faire malin quand tu vas partir dans le petit pilier en dessus sable là. And while we were topping out on this third dicey pitch, the team across the way climbed at the same time. Then Tony took the caribou by the horns. Listen to my voice. Are you ready? The difficulties had only just begun. Meanwhile... Il y a une scissure en dessous, là. Dans le diède, là? Sous le glaçon. Voilà, sous les glaçons. Ça a l'air quand même assez bouché. Du coup, j'essaye d'avoir la vue de Sam, qui me fasse partager son expérience de vieux loup. Et... Le problème, c'est qu'il a pas l'air convaincu non plus, alors... Ça me rassure qu'à moitié. Mais le truc c'est que... Attends, ouais, il n'y a pas de fissure. Il n'y a pas de fissure. Ouais, tu vois, ça fait pas comme, comme en dessous là où tu peux un peu mettre des points. Ouais. Là ce qu'il faudrait c'est Guy Lacelle là. Sors ton Guy quoi. Bah t'as pas un Guy au baudrier hein. Guy Lacelle, 30 years of solo ice climbing experience. A climbing machine that makes all ice spillers tremble. But no. Guy Lacelle wasn't with us yet. Parce que tu vois, là, à gauche, là, ouais. C'est vraiment finot. Hein. Ouais. Et je pourrais rien mettre, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Sam? Allez, les deux! Bon, ben voilà, on fait demi-tour, là, parce que c'était un peu trop engagé, quand même. Hein. Et voilà, ça sert à rien d'aller se mettre trop au taquet pour faire une longueur de plus. Hein. Il y en aura d'autres, non? Je me sens bon buteur, content, un buteur content quoi. Est-ce que c'est grave? Bah non, c'est bien. C'était quand même un peu moyen. Ah, ouais. Oh, je suis déçu. Ouais, moi aussi. Mais encore moins déçu de pas être tombé. Ouais, je pense. Yes. Et bah du coup, go down. De finir notre voie d'entraînement de hier vent quoi. Et puis alors surtout moi, bah, big respect to Tonio, la deuxième longueur là, si ça doit être moi en tête, je fais la big bonsai quoi. Peut-être je fais un saut et puis je fais ting tang ting. Et puis après c'est we've lost Wanderer in the States, we've lost him. Non mais il a bien grimpé, on voit bien qu'il y a un vrai guide.
un bon guide, quoi. Et puis après, là, c'est la dernière longueur, c'est le plaisir, quoi. C'est, on monte sur le petit balcon et puis après, il n'y a que de la glace après. La souplesse, je te le dis, moi. Je te le dis, il faut être plus souple dans l'histoire. Oups, les étincelles. C'est mon collègue, il se fait du souci toujours. Ah, il est pas de bloc, ça lui fait peur. Tatouf. Roger, ici René, je reçois 5 sur 5. Attendez, je te lâche, t'es au René ou pas? On a des interférences. Ouais, je suis au relais, Alpha René Tango. Prêt pour décollage. Corde libre. Et voilà, une bonne affaire qu'elle est bien faite. Pas tombé, pas glissé. Une fois de plus. Ça s'est bien soldé. Our journey was nearing its end. After all the hardy Quebecois training, we could finally enter the Pont Rouge Arena for the long-awaited rendezvous. Il est 16h30, ils partent. But not without a short briefing. On est à 200 hectopascal au niveau de la mer. Tempête de neige, du vent, il fait froid. Il est midi et demi, on va pouvoir grimper toute la journée là. On va faire une bonne journée d'échauffement, découvrir le rocher de Pont-Rouge, le froid du Québec. N'oubliez pas vos extrémités, hein, même le nez, le bout du nez là. Allez, on se tape tous dans les bras là. Festiglace, le plus grand festival d'escalade de glace au monde. Il y a 6 pays représentés. Et on attend 7000 personnes aujourd'hui. Les grimpeurs adorent ça parce que c'est vraiment amical. C'est vraiment fantastique. Je me sens comme un petit enfant dans une maison de bonbons. Je viens de faire autant de longueurs en 1h30 qu'en 2 jours avec la Dream Team. C'est beau de voir, mettons, les pros comme ça grimper. C'est bizarre, j'ai juste le bras levé, je tire pas dessus, j'ai l'impression que je suis pendu dessus, c'est normal? I want you pretty, baby. Ici, c'est un canyon avec plusieurs voies, mais pas beaucoup de voies faciles. Les voies faciles sont pas tellement hautes, mais les voies en mix, les voies en glace sont abondantes. On en a un grand choix. Ça va de M4 à M8. Ça veut dire que ça va de, mettons, moyen
à difficile. On n'a pas de voie extrêmement difficile parce que le maximum des voies, c'est à peu près 35 à 40 mètres ici. La difficulté pour équiper dans ce genre de secteur ici à Pont-Rouge, c'est la roche, en fait. Il y a des parties de roche qui ne sont pas très bonnes pour mettre des bottes. Donc, il faut choisir les bons placements, rajouter des longues dégaines pour sécuriser les secteurs où la roche est mauvaise. C'est un peu ça la problématique, là. C'est une pierre très friable, donc on ne gêne pas pour pioletter là-dedans. On tape les piolets dans la roche, puis ça va tenir aussi bien, sinon mieux que dans la glace. C'est dément, hein? Bon cassage de bras. C'est dément. Un bon rocher. Voilà. Pour les compétitions, étant donné que le monde va vite, 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 je veux dire, ils vont faire entre 3 et 6, 8 voies en une heure et demie. Alors, c'est pas le temps de niaiser. Ils n'ont pas le temps de se préoccuper de la sécurité. Il faut qu'ils clip, clip, clip. J'ai grimpé, grimpé, grimpé. Surtout, ce qu'il faut, c'est grimper, quoi. Grimper, quoi. I'm gonna take another way. I'm gonna make it out of town. C'est une compétition amicale, donc il doit faire un marathon d'escalade et ensuite de faire le plus de voies possible. Et chaque voie a un système de pointage par rapport à sa longueur et sa difficulté. On est par équipe, là, on s'assure un l'autre et puis on a chacun 3 heures pour faire un maximum de voies. On a 1 heure et demie de ce côté-là de la rivière, puis 1 heure et demie de l'autre côté. Donc à la fin de la journée, tout le monde est bien content, tout le monde est bien fatigué. Donc, suite à ça, plus de voix qu'ils font, plus de points qu'ils ramassent. Et puis, la meilleure gang. I'm willing to lose my soul to still ride in a fancy car. Ready to die to be noticed in every clubs and bars. Ready to fight, ready to lose it all. Till the day the crowd's out of control, I'm a rap star. I'm willing to lose my soul to still ride in a fancy car. Ready to die to be noticed in every clubs and bars. Ready to fight, ready to lose it all. Till the day the crowd's out of control, I'm a rap star. Down 4-2-3, get in the club to the dome and get on the MIC. Crowd is freaky, girls are nasty, now everybody better get ready. I'm a rap star, you know the stars, Z, caviar, but me, I'm standing by the bar with a big Cuban cigar. Watching them hoes up on stage, licking the toes, starting the body looking nice. Till we start a rodeo, here we go. On m'imite chaque minute au mic, j'suis fucking mic de chacun de mes hits. Nous visser de l'or à main, célèbre le bon moment, les gars tu peux, c'est juste un nouveau chapitre où j'habite. Y'a des fans qui gravitent partout autour de mon appartement. Que ça me rap star, yeah, exactement, Narcos c'est un grand. My soldiers still ride in a fancy car. Ready to die to be noticed in every gloves and bars. Ready to fight, ready to lose it all. Till the day the crowd's out of control, I'm a rap star. I'm willing to lose my soldiers still ride in a fancy car. Ready to die to be noticed in every gloves and bars. Ready to fight, ready to lose it all. Till the day the crowd's out of control, I'm a rap star. And Festiglace concludes beautifully. Erwan even got back together with his parachute for an amazing base jump. Sam did an incredible jump as well, wowing the spectators. The crowds were happy, and so were we. We didn't win Festiglace, but who cares? We did what we wanted to do: discover new places, climb beautiful lines in an amazing setting, and meet friendly, interesting people. So we're going to come back to this beautiful, faraway place to see the people and fantastic countryside. And maybe, just maybe, we'll win Festiglace.
j'irai au port. Exactement. Allez, c'est solide ça. Si, si, c'était bon là. Dans deux minutes, j'y vais quoi. Et j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce que si j'ai mal au bras, déjà. Aujourd'hui, il y a plus de Français que de Québécois sur le site. Ouais, ben là, on se le cachera pas, là, on a toujours un petit peu de misère avec les Français qui viennent à chaque année, là, puis ça, on a bien, bien de la misère, là, mais ils restent jamais très, très longtemps, fait qu'on est capable de vivre avec ça. Gamy m'a demandé de dire un truc intelligent, mais ça vient pas spontanément, là.